Alors, bonjour, bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble comment investir la somme de 9 000 francs CFA en Afrique, notamment en bourse, dans les marchés boursiers. Il y a beaucoup d'Africains qui se posent exactement la question, toujours, voilà, je suis en Afrique, j'aimerais faire des investissements en Afrique, comment est-ce que ça va se passer? Donc, dans cette vidéo, on va exactement parler de ça. On va voir comment est-ce que tu peux faire, quels sont quelles sont les stratégies que tu peux mettre en place, comment tu peux analyser, ainsi de suite. On va voir ensemble, dans cette vidéo, on va apprendre un produit financier en bourse en Afrique. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui disent toujours, bah, ce n'est pas possible en fait de pouvoir investir en bourse en Afrique, on n'a pas de chance, ça ne marche pas. Excuse-moi déjà un peu pour la qualité de la caméra. J'ai des petits soucis là avec mon équipement, mais bon, je vais me débrouiller à corriger ça très rapidement. J'espère que le son aussi il est bon. J'espère que le son est bon hein, parce que là, le son, que je rapproche un peu mon équipement. Je crois que le son ici, le son devrait être OK. Hein, je crois que le son est OK. Donc, comment est-ce que tu peux donc faire pour investir dans la somme de 9 000 francs CFA en bourse? Donc, si tu es nouveau dans la chaîne YouTube, tu ne me connais pas, moi, c'est un petit peu que je vis en Allemagne. Et là-bas, j'aide beaucoup d'Africains à comprendre comment est-ce que la finance, les investissements fonctionnent. Je les forme dans ce domaine. Personnellement, je suis entrepreneur aussi investisseur en bourse. Et à travers cette chaîne YouTube, voilà, j'ai des Africains. J'éduque les Africains dans les thématiques boursières. Donc, j'ai des Africains, j'éduque les Africains en bourse, comprendre comment est-ce que la bourse fonctionne. Excuse-moi si je ne me mets pas comme ça. Normalement, je devrais me mettre comme ça pour te voir. Mais je me mets plutôt comme ça pour voir la présentation. Donc, ce n'est pas le manque de respect, c'est juste une question d'équipement. Donc, alors, comme je disais dans cette chaîne YouTube, voilà, j'ai des Africains, j'éduque vraiment les Africains dans les thématiques boursières parce que c'est un gros manque en fait dans notre communauté. Beaucoup de personnes ne savent pas quels sont les potentiels, quelles sont les chances en fait autant pour moi qu'il y a dans les marchés boursiers. Et je me débrouille à mon niveau à éveiller la communauté dans ce domaine. Ce que tu dois comprendre déjà, c'est que la bourse, c'est vraiment, c'est pas la course en fait. Hein. Tu vas pas prendre une pièce d'argent, tu vas lancer en bourse et tu vas gagner beaucoup d'argent du jour au lendemain. Non. La bourse demande une certaine éducation, une certaine persévérance, une certaine patience. Et c'est comme ça qu'avec le temps, tu pourras bien sûr battre certaines performances. Donc, je ne suis pas là derrière cette caméra ou bien dans cette vidéo pour te vendre un gros rêve. Non, je ne suis pas un vendeur de rêves. Je n'ai non plus l'intention de vendre les rêves. Si tu cherches les vendeurs de rêves, tu mets stop sur la vidéo et tu vas chercher les vendeurs de rêves un peu partout. Donc, comment est-ce qu'on peut investir la somme de 9 000 francs CFA en bourse, tu vois un peu? C'est comment je vais te faire comprendre en fait si tu es débutant. On va directement dans un produit financier. Ensemble, on va faire une petite analyse. Donc, alors, ici, ce que tu vois là, ça, c'est le produit en fait dont il est question. C'est un produit que moi je trouve. Attends, je vais un peu diminuer ça. Je mets ça où? Je mets ça ici. Okay. Donc, ce que tu vois concrètement, c'est quoi? Ce que tu vois ici en fait, c'est. L'entreprise s'appelle Palm CI. Ça, c'est le code en fait de l'entreprise. Hein? Palm CI. J'espère que tu connais bien le drapeau de ce pays. Hein? C'est pas. C'est pas un pays européen. Donc, dites-moi dans les commentaires pour ceux qui ont deviné dans quel pays en Afrique est-ce qu'on se trouve ici. Donc, là, on a Palm CI. Ici, on a le prix. Hein. Ça, c'est le prix. Ça, c'est les offres. On voit que c'est 8 000. Hein. J'ai même parlé de 9 000. Ici, en haut, j'ai mis 9 000 francs CFA. Mais bon, tel qu'on voit actuellement, là, le prix, c'est dans les 8 000, 8 080 francs CFA. Les offres, je crois, c'est francs CFA. Alors. Ici, on voit donc les titres, on voit le volume, on voit le prix d'ouverture, le prix de fermeture, le prix le plus bas, le prix de clôture, le bêta facteur en un an, le RSI, ce sont les indicateurs aussi en bourse, assez intéressants. Donc, c'est très facile en fait, hein, c'est très facile. J'ai tourné une vidéo précédente où je parlais exactement des étapes en fait qu'il faut pour investir. Je te présente pas ces informations pour que tu partes acheter l'action de l'entreprise ici, bien que tu partes trader l'entreprise ici. Je te présente ça pour que tu saches qu'à chaque fois que tu attrapes un peu d'argent entre tes mains, 500 000 francs, 2 000, 3 000, 4 000, 10 000, 100 000, 200 000 francs CFA, que tu saches que tu peux investir en bourse en Afrique. La première étape, c'est que tu saches, comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, quel type de personne tu es, quel est ton profil de risque, jusqu'à quel niveau est-ce que tu veux aller, ainsi de suite. Et que tu te formes. Hein. Tu viens nous voir, on va te former, on va te permettre d'aller un peu plus en profondeur. Ici, je te présente les informations globales, que tu vois déjà que c'est possible pour toi. Hein. Si tu veux aller un peu plus loin, il n'y a pas de problème, tu viens nous voir, on va t'accompagner. Un an, on travaille avec toi, on t'entraîne dans ce domaine. On t'entraîne main dans la main, matin, midi, soir. Notamment si tu viens en Allemagne, on fait des sessions de training avec toi. Tu reçois des exercices, des challenges.
tu fais des présentations, on voit comment est-ce que tu analyses, comment est-ce que tu aurais pu acheter. On fait vraiment des débats approfondis là-dessus. Donc, ça, c'est l'entreprise et on voit exactement le développement de l'entreprise. Dans le prochain graphique, je vais te montrer la visite, la présentation technique. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est quoi? Ce qu'on voit très bien ici à ce niveau, là, on voit la performance en 3 ans. Hein? On voit en 3 ans, ça fait 411%. Et on voit en 1 an, ça fait 125%. En janvier, ça fait 15%. Il y a 1 mois, ça fait 15%. Il y a 1 semaine, ça fait 9%. Donc, on voit très bien que les rentabilités sont assez progressives depuis un certain nombre de temps. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour un investisseur qui se situe en Afrique? Ça veut simplement dire que celui qui est en Afrique peut faire de très, très bons investissements avec ce type d'entreprise et gagner aussi beaucoup d'argent. Mais comme je dis toujours, avant de se lancer dans les marchés financiers, la première chose qu'il faut savoir, qu'il faut comprendre, c'est qui est-ce que tu es. Hein? Il faut savoir qui est-ce que tu es en tant que personne. Qui est-ce que tu es? Quels sont les instruments qui passent? Hein? Parce que quand on a la bourse comme ça, en bourse, on a des tonnes d'instruments. On a les instruments 1, 2, 3, 4, les actions, les fonds, les ETF, les options, les bitcoins, les crypto-monnaies, toutes ces histoires, tralala et tout, on en parle matin, midi, soir sur Internet. On a tellement d'instruments dans les marchés boursiers et il faut que tu saches en fait quel est l'instrument qui passe pour toi et comment est-ce que tu peux bien te sentir à l'aise en faisant des investissements dans cet instrument. Tout le monde n'est pas obligé de trader, tout le monde n'est pas obligé de faire des crypto-monnaies, tout le monde n'est pas obligé, tout le monde n'est pas obligé. Mais si c'est que tu penses que trading, c'est bien pour toi, ben, tu le fais. Si tu penses que crypto-monnaie, c'est bien pour toi, ben, tu le fais. J'ai investi dans les crypto-monnaies, je ne traite pas les crypto-monnaies par contre. Donc, j'ai des stratégies avec lesquelles est-ce que j'investis dans les crypto-monnaies. Des stratégies très simples qui fonctionnent, qu'on peut utiliser dans n'importe quel produit financier. Donc, concrètement, donc, voilà, tu as vu ici, là, on a les performances, là, on a le développement des prix. Tu vois, c'était à un moment, il y a 3 ans, c'était même 800 francs. 800 francs CFA, ça, c'est le prix d'une Guinness. 800 francs CFA, 800 francs CFA, c'est le prix d'une Guinness, hein. Une Guinness en Afrique dans un bar et tout, ça coûte dans les 800, c'est pas moi, parfois 1000 francs. La Guinness est même plus chère que ça. Dans certains bars, dans certains bistrots. Donc, ça veut concrètement dire que vous pouvez investir en Afrique. Ça paraît simplement et ce manque de volonté. Passer le temps à vouloir envoyer, bombarder les mails. Ça se passe comment on va faire, où on va créer les comptes. Ben, je vous ai toujours dit qu'il n'y a rien de gratuit dans notre entreprise. Je ne vais jamais cesser de vous le dire, en fait. Hein. Si vous voulez qu'on travaille ensemble, il faut passer à la caisse. Il n'y a rien de gratuit, en fait. Donc, ça, c'est exactement le développement de l'entreprise. On voit comment est-ce que l'entreprise a progressé depuis 2000, depuis 2003. Hein? Là, ici, là, on a un instant. Là, on a, là, ici, nous sommes en 2003. On voit comment est-ce que ça a progressé jusqu'à aujourd'hui. Là, nous sommes aujourd'hui. Je tourne cette vidéo, nous sommes le 40e. Un instant, pour ceux qui vont écouter la vidéo un peu plus tard, juste à titre de référence. Nous sommes le 16 février. Hein? Nous sommes le 16 février 2022. D'accord? Donc, là, on a exactement la progression. Et c'est exactement avec cette progression-ci. Et quand on la regarde, on se dit, bah, OK, comment est-ce qu'on va faire une transaction d'achat et de vente? Hein? Il faut réfléchir. Il faut être un peu logique. Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est là? 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 Il y a des techniques qui te permettent de savoir quand et comment est-ce que tu achètes. Tu vois, il y a plusieurs façons de pouvoir investir, acheter, sécuriser, manager, contrôler, piloter son dépôt en investissement. Tu vois un peu? Donc, l'objectif vraiment de la vidéo, c'est de faire comprendre que c'est possible de pouvoir investir la somme de 9 000 francs CFA ou bien notamment 8 800 francs CFA en Afrique. Ici, nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Vous qui êtes en Afrique et qui voulez investir en bourse, qu'est-ce qui vous empêche d'investir en bourse en Afrique? Rien ne vous empêche d'investir en Afrique. Rien ne vous empêche. Rapprochez-vous simplement des institutions. Et tout. Si vous ne comprenez pas comment la bourse fonctionne, ben, venez réserver le programme de formation. On vous montre comment ça se passe. On vous donne des idées là-dessus qui vous permettent en fait de passer à un autre niveau. Notre objectif, quand on travaille avec des gens, c'est que ces personnes soient indépendantes. Indépendantes dans leur prise de décision, dans leur compréhension, dans leur transaction, dans tout ce que ces personnes font dans les marchés financiers. Que ces personnes aient ce qu'on appelle la connaissance qui est la clé, l'éducation. Et c'est cette éducation-là qui va vous permettre de passer à un autre niveau. Tu vas me dire dans les commentaires si tu aimerais que je tourne encore un peu plus de vidéos comme ça qui présentent certaines entreprises en Afrique. Il y en a des centaines. En Afrique, ce n'est pas en Occident, c'est en Afrique. Là-bas en Afrique. C'est vraiment en Afrique. Donc, tu vas me dire dans les commentaires si tu veux que je tourne encore des vidéos en ce qui concerne ces entreprises qu'il y a en bourse en Afrique. Voilà. Et puis, je serais ravi de lire les commentaires. Tu vois un peu.
Et si tu écoutes cette vidéo que tu as en Allemagne, un instant. Si tu écoutes cette vidéo que tu as en Allemagne, n'oublie pas le livre en fait, Vivre et investir en Allemagne. Hein? Ça, c'est le livre. Vivre, investir en Allemagne. C'est un livre en fait que j'ai écrit pour permettre aux Africains qui sont en Allemagne de saisir des opportunités en finance, en investissement en Allemagne, de changer leur façon de voir le système. Bref, dans le livre, en fait, il y a beaucoup d'informations qui vous permettent de pouvoir passer à un autre niveau en ce qui concerne la finance, l'intégration dans les investissements, la croissance en Allemagne. Il y a beaucoup d'informations qui vont vous permettre en fait de passer à un autre niveau. Pour avoir le bouquin, c'est très simple. En bas de la vidéo, dans la barre de description, il y a un lien. Tu cliques dessus ou alors tu passes sur notre site, tu prends un rendez-vous. Ça dépend de toi. Donc, j'espère que j'ai pu vous apporter un peu plus d'informations. Vous voyez que c'est possible de faire des investissements avec 8000 francs CFA en Afrique. Hein? C'est vraiment possible. 8000 francs CFA. Si quelqu'un, à un moment donné, a 1 million, par exemple, ça va donner quoi? 1 million divisé par 8000. On va faire 125 actions. Hein? C'est ça, non? Ouais. 1 million de francs CFA divisé par 8000. On va faire 125 actions qu'il aura. Bon, je calcule de façon générale. Parce que dans tous les cas, il y a des stratégies d'achat. Tu ne vas pas prendre tout ton argent, tu vas mettre dans une action et puis tu vas dormir. Non, il y a des façons de pouvoir manager le capital qu'on a dans les marchés financiers. Mais je calcule de façon très simple ici. Et là, on voit très bien. Regarde, laissons même les 8000. Prenons 800. Prenons 800, je veux dire 1 million divisé par 800. Ça va faire, je vois ici là, 1250. Là. Bon, je serai ici à ce niveau, je dis pas, bon, j'ai pris 800, mais c'est 885. Et on voit qu'on a 400%. Tu vois que c'est quitté de 800. Comment dire ça? Le prix le plus bas, c'était 885. Ça a progressé jusqu'à 7000. 7714. Hein? Tu vois qu'on a, on a une différence au moins de 7000. Donc, tu vas multiplier peut-être par 7000. C'est beaucoup d'argent. Hein? Ça va faire dans les 8 750 000 francs CFA, par exemple, en 3 ans d'investissement. Bon, à toi de voir, est-ce que la bourse c'est intéressant? Est-ce que c'est pas intéressant? Est-ce que c'est risqué? L'Afrique, en fait, est assez porteur dans ce domaine. Porteur, je sais pas moi comment est-ce qu'on dit ça. De très, très bonnes opportunités. Donc voilà, saisis-les, passe à l'action, éduque-toi, forme-toi, vois ce qui est possible et lance-toi. N'écoute pas les vidéos sur YouTube matin, midi, soir, ça ne va pas t'aider. Éduque-toi, forme-toi, lance-toi, contacte-nous, on va t'aider à avancer dans les marchés boursiers. Donc, c'était tout pour moi. Nous, on reste ensemble. Ciao, ciao.